Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, téléspectateurs de Mikuba Télévision et Mikuba Radio, bienvenue de partout où vous nous suivez à travers l'Afrique, à travers la République démocratique du Congo également. Bienvenue dans cet entretien sur Mikuba Télévision, l'invité du jour, ce magazine, cette tribune qui vous permet de recevoir une personnalité avec laquelle nous échangeons d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui vous touche, d'un sujet qui nous touche. Et pour en parler justement, ce numéro d'invité du jour reçoit pour vous un prêtre, c'est l'abbé Christophe Tchey qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur l'abbé, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à tous vos téléspectateurs. Avec vous, nous allons essayer d'échanger justement sur cet accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, un accord qui a pour but notamment des projets de développement. Bien sûr, on en saura plus avec l'abbé Christophe Tchey, puisqu'il en est le point focal ici dans le diocèse de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Alors, monsieur l'abbé, pour commencer, bien entendu, comme je l'ai dit il y a quelques semaines ou quelques mois, que le gouvernement congolais a choisi de signer un accord avec l'Église catholique, notamment avec la Conférence épiscopale nationale du Congo. Quelle est tout d'abord l'origine de ce partenariat? Merci pour la question et merci pour l'invitation sur le plateau de cette télévision qui est bien suivie. J'en profite pour saluer au nom de mon évêque diocésain, au nom de tous mes confrères, tous les téléspectateurs de la radio-télévision Mikuba. Votre question est pertinente et je peux vous répondre en quelques mots pour dire que l'origine de cet accord, c'est le bien, c'est le bien-être de la population qui est au Congo. L'Église catholique est, par définition, cherche la promotion humaine. Elle annonce l'Évangile. Elle veut que l'homme puisse s'épanouir, et l'homme total, l'homme tout entier. Il s'occupe donc aussi, non seulement de cette annonce de l'Évangile, mais aussi du bien-être des peuples. Or, il se trouve que l'État congolais poursuit le même objectif. Gère le peuple congolais dans le sens de l'amener à une vie toujours meilleure, de passer à une étape négative, à une étape positive. Et s'il y a une étape positive, on cherche le meilleur, le plus. Cela rejoint également la mission donc, de l'Église. C'est le même peuple que l'État congolais gère, c'est la même population que l'Église catholique gère. Et justement, puisque l'Église catholique, comme vous l'avez dit, poursuivait justement ce bien-là, ce développement, et qu'il s'est avéré que le gouvernement congolais semblait marcher dans la même lignée, alors de quoi s'agit-il exactement dans cet accord? Cet accord vise d'abord à entretenir des relations harmonieuses entre l'Église et l'État. Il n'est pas dit et nulle part que l'Église doit vivre en conflit ou en tiraillement avec l'État, nulle part. Et l'Église catholique experte en humanité, l'Église catholique riche d'une longue tradition, a vécu des moments parfois tumultueux avec certains États au monde, mais l'Église sait aussi qu'il faut préserver une bonne collaboration harmonieuse pour le bien de l'Évangile que nous annonçons. Voilà pourquoi l'Église catholique a le souci d'entretenir de bonnes relations diplomatiques avec les États, avec tous les États au monde. L'Église catholique est représentée aux Nations Unies, vous le savez, et l'Église catholique par le monde a déjà eu à signer des accords avec des États, avec l'État italien, avec l'État d'Israël, avec beaucoup d'ici chez nous en Afrique, le Congo voisin, le Gabon, Sao Tomé et Principe, donc l'Église, l'Angola, et l'Église, ce n'est pas nouveau que l'Église signe des accords avec l'État dans le but de promouvoir cette collaboration harmonieuse et dans le but de lui permettre aussi de vaguer vraiment à son aise, à son œuvre de l'évangélisation. Parce que la mission de l'Église, je vous l'ai dit, c'est d'annoncer l'Évangile et l'État congolais, je dois vous le dire, est laïque, la laïcité de l'État est garantie par la Constitution, mais cette laïcité n'exclut pas que l'État congolais puisse également reconnaître la liberté religieuse et donc permettre à l'Église d'évoluer
dans l'espace congolais sans trouver des embûches, des obstacles ou des entraves dans la réalisation de l'œuvre de l'évangélisation. Et voilà que l'Église qui veut le bien du peuple et l'État congolais qui veut le bien du peuple trouvent un terrain commun, un terrain d'intérêt commun. Et ce terrain, c'est bien les œuvres sociales. L'Église catholique est déjà présente depuis l'aube de la colonisation dans les œuvres sociales au sein de notre pays, la République démocratique du Congo. L'Église a des écoles catholiques. Nous avons des bureaux de coordination des écoles tant au niveau diocésain qu'au niveau national. L'Église est investie dans les œuvres médicales. Nous avons des bureaux de BEDOM, le bureau pour la gestion des œuvres médicales au niveau diocésain et au niveau national. L'Église catholique justifie d'une certaine organisation, d'une implantation solide à travers la République. Elle est présente dans les coins et recoins de notre pays. Et elle a 48 diocèses et à travers son œuvre, elle est au service aussi de la nation congolaise et donc aussi de l'État congolais. Et l'État est conscient de ça. Qui n'a pas étudié dans une école catholique? Qui n'a jamais fréquenté une œuvre médicale de l'Église catholique? Qui n'a jamais visité un orphelinat ou un centre de promotion sociale ou un hospice des vieillards, etc.? Qui? Donc l'Église catholique est bien présente. Elle n'a pas attendu cet accord pour être présente dans les œuvres sociales. Et l'État qui est conscient de ça a voulu aussi passer par l'Église catholique pour atteindre sa population. Parce que l'Église présente cet atout d'une bonne organisation, d'une présence effective et d'une crédibilité qui a déjà fait sa renommée. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui devra être exécuté dans ce projet? Parce que vous avez parlé du social notamment, vous avez parlé de développement. Alors dans cet accord, dans ce partenariat entre l'Église catholique et l'État congolais, le gouvernement congolais, qu'est-ce qui doit être exécuté concrètement pour le développement de cette population? Merci pour la question. En fait, du point de vue de l'État congolais, on attend de l'Église, on n'oblige pas à faire telle ou telle œuvre précisément. Mais elle veut simplement que l'Église réalise une œuvre sociale, une œuvre qui bénéficie à la population. Cette œuvre peut être sociale, économique, mais c'est une œuvre qui, au final, doit profiter à la population congolaise. Et alors, l'Église s'organise à travers les 48 diocèses. Nous sommes à pied d'œuvre dans de multiples projets. Il y en a qui sont investis dans le secteur de l'éducation pour réhabiliter ou construire de nouvelles écoles. Il y en a qui sont investis dans les œuvres sociales comme des forages, des puits d'eau. Il y en a qui construisent des salles polyvalentes. Il y en a qui sont dans le secteur médical, et c'est notre cas. Nous avons opté au diocèse de Kolwezi pour les centres de santé. Voilà. Et justement, puisque vous parlez du diocèse de Kolwezi, dans les 48 diocèses où on devrait voir ces projets-là, des réalisations de développement, dans le diocèse de Kolwezi, vous venez de parler du domaine médical. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme projet exactement dans ce domaine, ici dans le diocèse de Kolwezi? Au diocèse de Kolwezi, Son Excellence Monseigneur l'évêque Richard Kazadikamba a effectué une grande tournée pastorale pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a eu la latitude de circuler à travers son vaste diocèse, qui est parmi les plus vastes de notre pays, plus de 105 000 km². Ainsi, il a pu palper du doigt les réalités de ces diocèses. Il a vu les besoins qu'il y a dans ces diocèses. Les besoins sont multiples, mais il faut bien commencer quelque part. Il a apporté le choix sur la localité, la grande cité de Moussoumba, où il y a un problème sérieux pour la prise en charge médicale de la population qui est très nombreuse et qui n'a qu'un grand hôpital là-bas, qui a aussi certaines difficultés. Eh bien, il fallait que cette population de Moussoumba et celle de ses environs puisse bénéficier. À notre évêque a vu le besoin de vraiment contribuer efficacement à la prise en charge sanitaire de la population de Moussoumba. Donc, notre premier projet, c'est celui-là.
un centre de santé qui est déjà baptisé d'ailleurs Mater Dei, la Mère de Dieu, qui est en gestation. Au moment où nous parlons, les travaux sont déjà lancés depuis le 12 de ce mois. Et au moment où nous parlons, nous sommes à l'étape de la fondation. Il y a déjà 4 bâtiments terminés en fondation. Et nous évoluons, ça évolue vite et bien. C'est vraiment à ce stade assez satisfaisant. C'est ce que nous avons voulu, ce que Monseigneur a voulu pour notre diocèse. Et après ce centre, parce qu'il faut d'abord le construire, il faut ensuite l'équiper. Et il y a également d'autres projets, toujours dans le domaine de la santé. Son Excellence pense à un centre de santé à la mission catholique d'Impala, où il y a une bonne population qui vit là-bas, qui n'est pas prise en charge au plan médical. Et son Excellence a visé également la cité de Tchala, près de Lwilo, où il n'y a pas de centre de santé. Voilà un peu ce que nous voudrions faire par rapport à ce projet à impact visible, au bénéfice, au profit de la population de notre pays, la population de notre diocèse. Parlons un tout petit peu des motivations du gouvernement congolais à entreprendre ce partenariat avec l'Église catholique. À l'approche des élections, n'était-ce pas là une certaine manœuvre pour s'attirer justement la sympathie du peuple congolais à travers l'Église? Écoutez, moi je ne suis pas un politicien, je suis sur votre plateau comme prêtre de l'Église catholique. Je sais que le gouvernement congolais n'est pas le premier à aider l'Église catholique. Pour réaliser ses œuvres, des écoles comme vous en voyez, le collège, le lycée Umoja, le lycée Mwanga, l'Église a parfois été financée par des gouvernements étrangers. Le gouvernement belge, le gouvernement allemand, le gouvernement autrichien, ils interviennent au quotidien dans beaucoup de cas pour les œuvres sociales qu'on peut appeler à impact visible parce qu'elles sont bien visibles. Mais si cette aide vient de notre gouvernement, quel est le mal? Quel est le mal? Ce n'est pas pour l'Église catholique, on ne vise pas les élections, pas du tout. Parce que les institutions demeurent, les hommes passent. Cet accord a été signé déjà en 2016, le 20 mai 2016. Ce n'est pas l'actuel président qui était là, en 2016, entre le Saint-Siège et le gouvernement congolais. Mais l'actuel gouvernement a ratifié, le président de la République, Félix Tshisekedi, a ratifié cet accord avec le pape François le 17 janvier 2020. Et ainsi, cet accord a été assorti de mesures d'application qui prévoient beaucoup de points concrets d'intérêt commun entre l'Église et l'État. Donc, a priori, nous, on ne vise pas une campagne électorale quelconque. Non, ne me faites pas déclarer, ne me faites pas entrer dans les processus des politiciens, mais ceci dit, nous sommes heureux que le gouvernement soit intervenu en faveur des populations de son pays. Ça, c'est heureux. Et comme Église, nous avons le devoir, le grave devoir de prier, même pour ceux qui nous gouvernent, de prier pour l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, c'est dans Timothée, c'est dit. Toute autorité vient de Dieu. Et l'Église a l'habitude de prier pour ceux qui nous gouvernent. Mais l'Église garde sa mission prophétique intacte. L'Église garde toujours sa valeur. Et elle peut à tout instant interpeller le gouvernement congolais lorsque on sent qu'on n'atteint pas le bien de la population. Et l'Église a joué ce rôle tout ce temps. Elle accompagne le gouvernement, elle accompagne même le processus électoral. La CENCO est toujours présente dans toutes ses opérations. Ce n'est pas à démontrer ici, mais ce que je voudrais vous faire voir, à vous ainsi qu'à tous les spectateurs qui nous suivent, c'est qu'on ne fasse pas jouer un rôle politique. L'Église a une visée et l'Église n'a pas attendu cette aide pour se rendre présente au sein de la population congolaise. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, l'abbé Christophe Chey, je dois le rappeler, vous êtes le point focal de ce projet dans le diocèse de Colésie. Comment est-ce que l'Église s'organise pour justement gérer cet appui, ces fonds qui viennent du gouvernement congolais afin de garantir la transparence dans la réalisation de ces projets? L'Église a toute une organisation, c'est-à-dire nos pères, les évêques, ils sont réunis au sein de la CENCO. Et ils ont désigné dans chaque diocèse des points focaux qui se rencontrent à Kinshasa avec la coordination de la CENCO pour justement essayer de cogiter, de donner des conseils, d'encadrer
les réalisations qui se font à travers les 48 diocèses. Et là, on est en contact avec l'équipe de coordination de la CENCO, à laquelle nous devons faire rapport, et ils ont la latitude de nous donner des conseils, des orientations pour la bonne réalisation. Parce que vous voyez, c'est l'Église, elle est là, présente, et l'État attend de l'Église des résultats concrets. Il ne faut pas qu'on puisse décevoir les attentes et de la population congolaise, les attentes du gouvernement de notre pays. Il ne faut pas qu'on puisse décevoir ces attentes-là. Et c'est dans ce sens-là que l'Église est bien organisée pour, n'est-ce pas, éviter les dérapages et qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont assignés à chaque diocèse de réaliser vraiment quelque chose à impact visible. Mmh. Et c'est même mieux, et au niveau de la coordination, on est alléché par des projets qui atteignent la périphérie plutôt que le chef-lieu des grands centres. Et c'est entre autres pourquoi Monseigneur aussi a choisi un coin qui semble être le plus éloigné dans son diocèse par rapport au chef-lieu du diocèse. Et c'est aussi séduisant même pour les membres du gouvernement de savoir que même la population de la périphérie, on ne voit pas que les grands centres, mais même dans la périphérie, on essaie de toucher l'intérêt de la population de ce pays. Une dernière question, M. l'abbé, en pratiquement 45 secondes. Puisque cet accord, vous l'avez dit, venait d'être d'entrer en action maintenant, qu'en est-il pour le futur? Avez-vous des garanties qu'après ce régime, ce partenariat perdurera? Merci pour la question. Ça, ce sera à l'État congolais d'apprécier un partenariat avec l'Église, bien entendu. Parce qu'il est bien dit que ce subside octroyé à l'Église, aux 48 diocèses, c'est pour une année expérimentale, une année. Et ça peut continuer dans l'avenir si vraiment les résultats sont concluants de part et d'autre. Parce que, pourquoi pas, l'État peut décider de prendre en charge aussi le personnel de l'Église, parce que l'Église, l'œuvre de l'Église bénéficie à la population. Il y a sur cette terre des pays où le gouvernement s'occupe de payer les agents pastoraux. Je vous cite le cas de la Belgique, qui nous a colonisés, je vous cite le cas de l'Allemagne, je vous cite le cas de l'Autriche et bien d'autres pays au monde, parce que nous évangélisons et nous sommes impliqués dans ces œuvres sociales, dans les écoles, dans les centres de santé, et c'est un bien qu'on rend à la population. Et il n'est pas tout à fait normal que l'État reste insensible à ce que l'Église réalise pour le bien de ce peuple. Beaucoup d'autorités de notre pays ont étudié dans les écoles catholiques, et s'ils peuvent assister aussi, subsidier l'Église d'une façon substantielle, ce n'est pas mauvais. Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, il s'agit des œuvres sociales à impact visible, mais comme vous m'avez posé la question, ce partenariat peut bien continuer après cette année expérimentale si elle est concluante, et nous pourrons arriver à des réalisations, à des projets beaucoup plus concrets encore dans l'intérêt et de l'État et de l'Église catholique qui est en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup à vous, M. l'abbé. Nous sommes arrivés au bout de notre timing. Merci d'avoir disposé de votre temps pour répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie énormément. Et je demande à toute la population qui nous suit, à ceux qui prient, de porter notre Église en prière, de porter notre évêque en prière, et de porter aussi notre État en prière pour que des solutions plausibles soient trouvées au problème des Congolais et que tout le monde contribue au développement de ce pays et l'Église catholique est partie prenante pour aider l'État congolais, aider les populations congolaises à quitter l'étape négative vers une étape toujours plus positive. Merci beaucoup. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout à travers l'Afrique. À vous également, fidèles auditeurs de Mikuba Radio. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.